Allez, mets les lunettes. Bon, allez, puisque ça là, putain. Bonjour déjà. On s'en fout du bonjour. Ouais, c'est ça. La politesse, papa et maman nous a appris ça. Oh, mais. Ouais, bah tu crois vraiment que je les ai goûtés, moi. Allez, les lunettes. Deux secondes. Mais seul. Oui, 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 bah, j'ai le droit de me tirer aussi. Tu te colles tous les bâtons de toute façon. Là, c'est toi. Désolé, mais c'est toi. Bon, ça y est, t'es prête? Oui. Donc, ça y est, il faut 3 ans pour vous préparer. Oh, ça va, je suis en train. Bah, non, parce que moi je suis pas handicapée, pour pas 3 heures. Bah, oui, mais ça veut dire quoi, handicapé? Ça veut dire. Ça veut dire que t'es vraiment un peu. Mais non, handicap, ça veut dire que c'est, ça ralentit. Attention! Mais je fais attention à tes chantes! Moi? Attention! Mais t'es débile ou quoi? Il n'y a personne, je pourrais pas trop gagner dessous. Mais quoi ça? Je sais pas. Vas-y, on creuse. Est-ce qu'il y a un trésor là-dedans? Je sais pas. Bon, allez, on bouge. Ah, c'est quoi ça? Vous avez ouvert le Calixa. Cet artefact millénaire est maudit. Formulez un vœu et un seul. Confiez le Calixa à quelqu'un d'autre. Le vœu se réalisera, mais attention, si vous gardez le Calixa pour vous, il y aura une contrepartie. mais attends, la voix vient de dire, on peut faire tous les vœux qu'on veut, sauf qu'il faut donner à quelqu'un d'autre. Bah vas-y, essaye. Ouais, ok. J'aimerais une boîte de bonbons. Hein? Oh, comment ça marche? Ouais, en plus, c'est tes bonbons préférés. Mais c'est quoi ce bordel? Allez, vas-y, vas-y, j'ai envie d'essayer. Je voudrais un animal sauvage.
Mesdames et messieurs, bonjour. Et bienvenue sur ce journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, à Saint-Pierre-Quiberon, dans le Morbihan, une série d'événements étranges qui semblent agiter cette commune. Tout de suite, nous retrouvons notre envoyé spécial, Valentin. Valentin, vous nous entendez ? Oui, oui, Roger, oui, bonjour, effectivement, en direct de Saint-Pierre-Quiberon. Vous voyez où il y a de drôles d'événements qui se produisent ici. Alors, des dauphins qui ont été aperçus à la boulangerie, une pluie de météores récemment a agité le ciel calme d'ordinaire de Saint-Pierre-Quiberon. Et j'entends un drôle de bruit, qu'est-ce que... Wesh. Mais non, c'est pas possible. Aujourd'hui, à Quiberon? Mais non... Ça a fonctionné, je crois. Bon bah, salut hein. Ah mais, je vois plus rien. Ils sont où? Y a quelqu'un? Aidez-moi! Je vois plus rien. C'est quoi ça? Okay. Bam! Est-ce que ça va, madame? Ça va? Pas du tout. Mais y'a quoi? Qu'est-ce que vous avez? Je vois plus rien, je vois plus rien. Je suis devenue aveugle. Oh, oula, mais non. Vous voyez pas? Non, je vous vois pas. Mais comment c'est possible? C'était à cause d'une boîte bizarre. Mais non. Y a des petits qui ont commencé à prendre la boîte et ils se sont fait courser par un rhinocéros. Après, j'ai récupéré la boîte et j'ai fait un souhait, j'ai demandé de l'argent. Puis il y a de l'argent qui est tombé du ciel et après, je suis devenue aveugle. Oh mais non, ça recommence. Ça recommence encore, c'est la contrepartie. Mais non... Bon madame, ne vous inquiétez pas madame, on va régler ça. Ferme les yeux, je ne sais pas, il faut pas. Encore ? Ah bah c'est pas compliqué, pas compliqué. Ouvre tes yeux. Le caractère, t'es malade ? Mais c'est une boîte très dangereuse. Mais on peut te guérir avec ça! Mais je te dis que non! T'as pas vu nos voisins, bordel! Bah, je sais, c'est là que j'ai trouvé. Mais on peut te guérir avec ça! Mais non, il y a un gars! Tu veux toute ta vie ou quoi? Oui! Mais c'est pas grave! Je préfère rester handicapée que me guérir avec ça! Ouais, bah, j'ouvre la boîte parce que. Non! 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 Mais ça va pas, non? Putain, elle a ouvert la boîte. Je veux que ma soeur guérisse. Non! Sans mes pieds. C'est pas chelou cette histoire. Détache-toi là. Oui, bah attends, wow, relax. Je vais bouger. Je trouve que j'ai plus d'appel parce qu'en plus j'ai passé okay, la boîte. Ok, je peux bouger. Mais dis pas que la boîte à percer. Mais attends-moi. Mais du coup, t'as pourquoi je peux plus marcher moi en fait? Mais pourquoi je peux plus marcher? Mais qu'est-ce qui s'est passé là en fait? Mais j'en sais rien. Mais je sais pas, moi, fais quelqu'un, fais quelque chose. Ouais, souris.
Attends. Au secours, quelqu'un peut nous aider. Au secours. Au secours. Quelqu'un peut nous aider, vite. Aidez-nous. Au secours, aidez-nous. Au secours. Au secours. Aidez-nous. Au secours. Au secours. Regarde, il y a un monsieur là-bas. Ah. Et vous avez quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, bonjour monsieur. En gros, c'est à cause de cette boîte que ma soeur a perdu ses jambes. Qu'est-ce que vous avez, madame? Ben, en fait, j'ai trouvé cette boîte là derrière vous. Là, je l'ai ouverte. Il fallait faire un vœu. Et j'ai marqué que ma soeur a guéri ses jambes. Et après, moi, je me suis levée, je suis tombée et j'ai tendu mes jambes. C'est cette boîte là? Oui. Oui. Oh. Et je l'ai passée à la personne, après, je t'ai gardé. C'est local que ça? C'est une contrepartie. Une contrepartie? Hein? Ben, j'ai perdu mes jambes là. Qu'est-ce que c'était qui, toi? J'ai connu cette boîte dans le passé. Vous voyez? Et c'est le moyen de se débarrasser de cette boîte. C'est quoi, Olivier? Je souhaite que cette boîte disparaisse à jamais. Fais quoi cet après-midi? J'en sais rien. Avance! Bah attends.